j'aime le basket, j'aime le jeu, j'aime le ballon, j'aime le club. Enfin, j'aime. J'ai fait partie de la première équipe du club en 69, la première équipe féminine. À l'époque, voilà, c'était vraiment du. J'ai été au club pendant quelques années. Pour raison professionnelle, je me suis arrêtée et je suis revenue au club en 94. Et j'ai pris la présidence en 2003. On m'a demandé, à un moment ou à un autre, si je ne voulais pas être présidente, parce que la présidente avait décidé d'arrêter. Et voilà. Donc, j'ai dit pourquoi pas, en sachant que quand j'ai dit pourquoi pas, j'étais entourée. Je veux dire, autour de moi, il y avait quand même des amis qui étaient là et qui m'ont dit on est là. Et voilà. Parce qu'il y a plein de choses qui me font peur en tant que présidente. Voilà. Je ne me sens pas forcément à l'aise. Pour être présidente, il y a certains critères, je pense. Il faut peut-être savoir parler, peut-être avoir une culture basket, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je n'ai pas. Mais j'ai joué un petit peu, mais pas une grande joueuse. Vraiment, je balbutie dans le basket. Je joue encore à l'heure actuelle en équipe 3. La saison dernière, on était 270. Là, au mois d'octobre, on est déjà à 220 licenciés. Donc, je pense qu'on arrivera facilement aux 270. Donc, il faut gérer tout ça. C'est les matchs, c'est les équipes. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. L'équipe première, on n'a pas vraiment des gens qui ont été formés au club. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. Mais je pense que pour les années à venir, on aura des jeunes formés au club. C'est toujours plus plaisant. Je veux dire, là, l'année dernière, on avait une petite qui était en minime, qui est partie au pôle et tout ça. Donc, je veux dire, on travaille pour que ces jeunes puissent aller de l'avant et grimpent, quoi. Et je pense qu'on va y arriver. Thierry Marcilly a arrêté de coacher l'équipe première, mais il doit être là ce soir, il reste au club. Je veux dire, il supervise un peu tout ça quand même, cette équipe première, parce que c'est quand même tout un... C'est quelque chose, quoi, je vous dirais, c'est pas une petite affaire. Et puis, donc, on a Benjamin Villeger qui a pris le relais, voilà. Et je pense que pour l'instant, il donne de bonnes choses. Ce soir, c'est le premier match à la maison. Donc, on va voir ce que ça donne, quoi. Des fois, j'ai envie d'arrêter, parce qu'il y a des fois, c'est difficile. Puis, vous savez, des fois, on se sent seul. Même avec, en étant entouré, des fois, on se sent un peu seul. Et alors là, dans ce moment-là, je me dis, mais arrête! Et après, tout de suite après, je dis, mais non, je ne veux pas arrêter. Oui, j'aime ça. Même si je n'ai pas le petit côté, la fibre ou le côté basket, où je n'ai pas toute cette culture-là, j'aime le basket, j'aime le jeu, j'aime le ballon, j'aime le club. Enfin, j'aime.